Donc actuellement, nous menons une campagne de réhabilitation des réservoirs de gazonfier, qui sont les réserves principales de stockage d'eau potable pour le Mans Métropole. Donc nous effectuons des travaux de réhabilitation, principalement de génie civil, donc à l'intérieur, réparation de toutes les épaufrures qu'il peut y avoir en sous-face de dalle et toutes les fissures qu'il peut y avoir sur les parois et les radiers. Et en extérieur, réhabilitation complète des étanchéités toiture. Alors ces travaux sont découpés en plusieurs parties pour des raisons de continuité de service. La première tranche concernait la réserve A. Les travaux ont débuté en avril 2014 et vont se terminer en décembre 2014. Et pour les réservoirs D et E, les travaux vont se dérouler sur toute l'année 2015. Alors la contenance de ces réservoirs, sur le site, nous avons 5 réservoirs où on stocke environ 45 000 m3 d'eau potable. Pour la réserve A plus particulièrement, il y a 11 000 m3 d'eau potable stockée. Et pour la réserve D et E, il y a 10 000 m3 par réservoir. C'est de l'eau potable donc qui permet de desservir tous les abonnés du Mans. Et la distribution va au-delà du Mans puisque nous distribuons sur les communes du syndicat mixte d'alimentation en eau potable.